Non, pas vraiment. Ce n'est pas un mauvais garçon. Un peu corbleu, un peu poète. Mais un jour, il s'est mis en tête de vouloir vivre à sa façon. Depuis ce jour, à la grand-messe, personne ne l'a jamais revu. Il paraît qu'il est parti de chez lui, sans laisser l'adresse.